Son clan est en deuil. Star du cinéma, Jean-Paul Belmondo s'est éteint lundi 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Alors que de nombreuses personnalités ont souhaité lui rendre hommage, CIST au lendemain de son décès que sa belle-fille, Luana Belmondo a souhaité lui rendre hommage. Sur Instagram, la jolie blonde a ainsi partagé un magnifique cliché en noir et blanc de la star. Si elle n'a pas souhaité ajouter de texte, l'épouse de Paul Belmondo a reçu le soutien de Géraldine Maillet, Jean Roch, Laurent Delahousse, Bernard Montiel, Estelle Lefebure, Anthony Delon, mais aussi Pierre-Jean Chalençon, qui se sont manifestés dans la section des commentaires. Alors que l'acteur était apparu en fauteuil roulant en octobre 2019, CIST dans les colonnes de gala que Luana Belmondo s'était confiée sur ce beau père qu'elle a admiré tant. Elle avait ainsi déclaré, « Il a tellement de force et de joie de vivre, qu'il remonte toujours toutes les pentes. Mon beau-père est un monsieur très serein et il a cette joie de vivre qui lui permet de profiter à fond de tous ses instants. Ça lui donne un bonheur quotidien. Si est-il pour ça qu'il va bien. En ce moment, j'imagine que ça doit être un peu difficile pour son moral parce qu'il perd pas mal d'amis. » Pour Paris Match, CIST en octobre 2016 qu'elle avait révélé, « J'ai côtoyé des stars dont la vie consiste à prendre des poses de stars. Tout est artifice. Chez les Belmondo, ce genre d'attitude est impossible. Je suis entré dans une famille très simple. S'il croise 50 personnes dans la rue, mon beau-père serrera avec plaisir la main de 50 personnes. Il ne se cache pas, il aime les gens, il a envie de partager avec eux. » L'hommage bouleversant d'Alessandro Belmondo à son grand-père quelques heures plus tôt, le fils aîné de Luana et Paul Belmondo avait fait une magnifique déclaration sur Instagram. En deuil, Alessandro avait écrit, « Le chef du clan nous a quittés. Mais il laisse en moi des valeurs qui seront marquées à vie, aller de l'avant avant sans jamais arrêter de se battre, toujours garder le sourire, rester humble et surtout aimer la vie. Et aujourd'hui, grâce à lui, je ne recule devant aucun obstacle. Il nous aura tout marqué à vie. Merci. Maintenant, vous êtes tous réunis en haut et surtout restez bien sages les gars. »